Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo plutôt particulière puisque je vais te faire une annonce concernant un événement qui se déroule le 8 juin 2021, donc dans pas longtemps, et qui en plus de ça est totalement gratuit. Il s'agit donc de la journée de l'investisseur proposée donc par la très grosse plateforme d'investissement qui se nomme XTB. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à la visionner si jamais tu ne l'as pas vue, elle est dans la description. Bon, comme on a pu le voir aussi, laisser son argent, en tout cas toute son épargne à la banque, c'est pas si intéressant que ça avec l'inflation et le livret A qui est à seulement en ce moment 0,5% par an. On a vu tout ça ensemble et c'est vrai que quelque part c'est super intéressant, on va dire, d'investir une partie de ton épargne, je dis bien une partie de ton épargne. On retrouve donc 5 grosses catégories d'investissement sur la plateforme, en tout cas ici XTB. On va retrouver le forex, c'est-à-dire l'euro, le dollar, les indices comme le CAC 40 par exemple, les matières premières comme l'or ou le pétrole, même le café par exemple aussi, la crypto-monnaie comme le bitcoin, l'Ethereum, et surtout le plus important ici, en fait ce sont les actions et les ETF. D'ailleurs cet événement sera vraiment dans ce domaine-là, puisqu'il sera vraiment intéressant avec tous ces intervenants qui ont pas mal d'expérience et qui vont vraiment aussi te donner des conseils, leur expérience et aussi pourquoi aujourd'hui investir par exemple dans des actions ou certaines actions, et qu'est-ce que aussi bien gérer son argent. On appelle ça le money management et ce sont des choses même, je dirais, primordiales quand on veut investir de l'argent. C'est déjà comprendre un peu le rôle de l'investisseur et quel est le bon comportement à adopter. On se retrouve donc sur leur site internet concernant cet événement. Le lien bien entendu est dans la description de cette vidéo. Alors je descends un petit peu, comme on peut voir, journée de l'investisseur streaming en direct depuis la plateforme YouTube, donc ça c'est super. 6 experts financiers en une journée de présentation mardi 8 juin 2021 à partir de 10h. On verra ça tout en bas de la page, mais la journée est vraiment très complète, très riche en informations et je me suis dit, vu que je t'ai aussi déjà donné des conseils si jamais tu as vu ma vidéo concernant XTB sur l'investissement, et bien voilà, aussi avoir à côté de vrais experts qui vont te parler, te donner un peu aussi leur expérience et tout. Et là ça va être super intéressant, on a d'ailleurs 6 intervenants, 10 présentations sur l'investissement en bourse en 2021 pour tout niveau et profil d'investisseur. Donc là bien entendu on va plus être sur des débutants, ils appellent ça, ou initiés, donc déjà des gens qui sont dedans et qui souhaitent aussi approfondir leurs connaissances. Et bien entendu, le streaming sur YouTube et aussi un compte de démo offert. Voilà, pour tester gratuitement la plateforme que je t'ai présentée aussi, XStation, meilleure application de trading 2020. Alors franchement, la plateforme XStation, elle est vraiment super bien avec certaines options qu'on ne retrouve pas sur d'autres plateformes d'investissement. À droite, on a donc la possibilité bien entendu de s'inscrire et c'est gratuit. Voilà, donc ça, c'est super. Les 6 piliers d'une méthode de trading, donc là, on va voir les différentes personnes. Alors si on descend un petit peu, en fait, il va te résumer en fait un petit peu les thèmes qui seront abordés. Ici la psychologie, et c'est vrai que investisseur, il y a le côté aussi psychologique parce que quand tu vas vouloir investir de l'argent, il y aura des variations avec des tendances haussières ou baissières, donc bien entendu ça va impacter aussi ta psychologie. Si tu es sur plusieurs semaines de tendance baissière, ça peut être un peu difficile des fois à tenir position. Enfin voilà, c'est super intéressant, je trouve qu'ils abordent tout ça, comment gérer le risque et utiliser l'analyse technique fondamentale, l'analyse technique, quelque chose de super important aussi. Quelle stratégie d'investissement adopter et comment optimiser sa fiscalité, comment identifier une continuation ou un retournement de tendance, voilà, vague de Wolf par exemple, comment lire une tendance et anticiper le retracement de prix. Enfin voilà, tu vas vraiment avoir énormément de choses. Quel est l'impact de la politique monétaire sur le marché des devises, comment tenir compte du calendrier macroéconomique, comment intégrer l'analyse fondamentale dans une stratégie de trading. Donc il y a vraiment énormément de choses, les actions à dividendes, donc c'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question-là concernant les dividendes, quels avantages, la comptabilité, le stock picking aussi, quelle action privilégiée dans votre portefeuille en 2021. Et là on va voir derrière le programme, le journée de l'investisseur, regarde-moi cette journée de fou, de 10h à 10h10, donc 5 raisons d'ouvrir un compte titre ordinaire, 10h15 à 10h55, les 6 piliers d'une méthode de trading, donc avoir tout ça gratuitement, c'est top, voilà. Moi je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est comme ça, avec des formations, et de choper de l'information à droite, à gauche, de tester différentes plateformes, d'avoir une certaine maturité en fait dans ton comportement d'investisseur. Enfin ça c'est trop bien, c'est vraiment trop bien, n'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Ça peut être aussi l'analyse technique, d'approfondir tes connaissances dans ça. Après ça reste de toute façon de la spéculation avec bien entendu un marché qui a potentiellement des tendances haussières et baissières, mais avoir un peu plus d'expérience dans le domaine et savoir un peu plus ce que tu fais, c'est bien mieux. Et surtout le money management, chose qui normalement j'avais vu et ils en parlent et c'est quelque chose de fondamental. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.